Bonjour. Il y a 3 ans, Jean-Bernard, mon amoureux, mon compagnon, mon amour, mon mari, est décédé. Et j'ai écrit ce livre, Partenaire, Partenaire jusqu'à ton dernier souffle. Pourquoi ce titre? Eh bien parce que face à une épreuve, petite ou grande, on se regardait, Jean-Bernard et moi, et on se tapait dans les mains en se disant Partenaire. Quand un mois après le diagnostic de son glioblastome stade 4, c'est-à-dire une tumeur envahissante du cerveau extrêmement virulente, quand on a reçu ce diagnostic, on avait des larmes dans les yeux, mais on s'est regardé et on s'est dit, partenaire. Ce livre, il retrace 5 mois. 5 mois d'expérience entre le premier mal de tête et jusqu'au décès. 5 mois, c'est un temps à la fois court et en même temps suffisamment long pour nous avoir permis de nous dire tout ce que nous avions à nous dire, de partager tout ce que nous avions à vivre ensemble. Et ça lui a permis aussi à lui de boucler tout ce qu'il avait besoin de boucler sur cette terre avant de partir, comment il a pu se préparer à partir. Dans notre société, on ne parle pas assez de la mort. Et pourtant, c'est un moment aussi unique que la naissance. C'est important d'apprendre, de savoir accompagner et savoir se préparer aussi à la mort, en parler ensemble, vivre nos émotions, les partager. J'ai énormément appris pendant ces quelques mois. Et même si c'est une expérience qui ressort de l'intime, j'ai eu envie de la partager parce que, eh bien parce que ça nous apprend sur le sens de la vie et puis sur l'amour. Quand Jean-Bernard était malade, évidemment, nos amis, la famille téléphonaient sans cesse et je n'en pouvais plus du téléphone partout. Et donc, ma fille a eu cette idée de créer un groupe Facebook pour nos amis et la famille. Sur ce groupe, j'ai posté quotidiennement ce que nous vivions, les hauts, les bas. Et nos amis postaient des messages que je pouvais lire à Jean-Bernard. Ils nous ressourçaient. Après sa mort, nombre d'amis nous ont dit combien ils avaient été émus de ce partage. Ils avaient pu suivre les moments d'espoir quand les traitements marchaient et puis de désespoir quand, quand la maladie gagnait une manche. Et nos amis nous ont aussi dit à quel point, eh bien, ils avaient appris de ce journal de bord. Ils avaient appris sur l'accompagnement, ils avaient appris bien sûr sur la mort, sur la maladie, mais aussi sur l'amour. Avec Jean-Bernard, avant, on avait ce projet d'écrire sur le couple, sur l'amour, sur notre amour. Et donc en revenant de son enterrement, j'ai décidé de l'écrire pour nous deux. J'ai décidé de l'écrire et bien sûr, j'avais besoin d'écrire d'abord toute cette expérience des derniers mois, cette expérience intense, bouleversante, ce séisme dans nos vies. Voilà, c'est chose faite. Et vous y trouverez aussi, à la fin, un texte de Jean-Bernard, en épilogue, un merveilleux texte intitulé La chance, qu'il a écrit un an avant la maladie. Pour lui, chaque épreuve proposée par l'existence est une opportunité pour grandir, à regarder donc comme une chance. Merci.